Et salut, c'est Sidus de Gamers and Chain. Aujourd'hui, je vais vous parler de Zplan. D'ailleurs, l'équipe Gamers and Chain, on a un partenariat avec eux. On a eu plusieurs contacts avec les développeurs du jeu. C'est en partie pour cette raison aussi que je vais vous présenter le jeu. Et bien évidemment, parce qu'on croit en ce projet. C'est un jeu qui bénéficie du soutien de l'équipe de Zodiac, un jeu de course qui a bien cartonné récemment. Zplan sera donc un jeu sur la Binance Smart Chain. Et vous le savez, moi j'apprécie beaucoup cette blockchain car les frais sont assez faible et la chaîne est relativement fluide comparée à d'autres. On a pu faire le test récemment avec la chaîne Matic où on galère bien à planter des choux. Je crois que le jeu a trop explosé, mais bon, ça serait un autre sujet. Donc on va regarder un petit peu le white paper, comment ça se passe sur ce jeu-là. Le principe du jeu, il a l'air assez simple. On pourra mint jusqu'à 100 avions maximum qui pourront voler 10 fois par jour. Alors attention parce que j'ai vu pas mal de gens parler des 100 avions, mais l'aéroport de base, lui, pourra en contenir que 10. Et donc faudra upgrade cet aéroport pour après ajouter des avions. C'est pas on aura 100 avions le premier jour. Ça marchera pas comme ça. Chaque avion aura un système de rareté allant de 1 à 5 étoiles. Et plus l'avion est rare, plus il pourra voler longtemps et donc générer plus de récompenses. Donc là, le but du jeu, ça sera de faire des longs vols. On fera pas des courses comme CryptoCar ou Zodiac. Ça sera un peu différent. Il faudra voler le plus longtemps pour avoir un maximum de ressources. Une fois que les 10 vols seront faits, il faudra attendre le lendemain pour rejouer. Ça, vous connaissez les mécaniques hein, de click to earn. Et les niveaux des avions augmenteront à chaque vol. Et le niveau maximum sera le niveau 100. Donc, ils aiment bien le chiffre 100 apparemment. Dans le jeu, il y aura une boutique, comme dans tout bon jeu qui se respecte, et elle est constituée de trois box. La première box est la Airplane Box au prix de 210 ZPL, qui sera le token du jeu. Et on va regarder tout de suite le taux de loot. Donc pour un avion une étoile, on aura 80%, 15% pour un avion 2 étoiles, 3% pour un avion 3 étoiles, 1,5% pour un avion 4 étoiles et 0,5% pour un avion 5 étoiles. J'espère qu'on aura un 5 étoiles. Mais j'y crois pas des masses, des masses. La deuxième box, elle est assez intéressante parce qu'elle va concerner plutôt les bonus du jeu. Donc il y aura 5 outils différents qui aideront les joueurs dans leur progression. Donc il y aura l'horloge qui permettra de sauter le temps de vol et qui aura un taux de loot de 22%. On aura la médaille pour agrandir l'aéroport, donc sûrement avoir plus d'avions. Donc il y aura aussi un taux de loot de 22%. On pourra doubler les récompenses avec le coin x2 avec un taux de loot de 6%. Le carburant, on n'a pas de. Lui, je ne savais pas trop au niveau du taux de loot. Hein. On sait qu'il est marqué. Mais, il est juste là hein, pour information, pour ceux qui parlent pas anglais. Mais on a zéro taux de loot ici. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Et il y aura des clés qui auront un taux de loot de 50% que vous pourrez échanger. En fait, dès que vous aurez trois clés, vous pourrez échanger contre une boîte aléatoire qui est la dernière boîte du shop. Et dans cette troisième boîte, vous pourrez avoir des outils comme la box d'avant qu'on vient de voir. Et si vous avez beaucoup de chance, ou si votre concubin vous trompe, vous pourrez avoir un avion pour avec 0,1%. Donc ça va être très compliqué à avoir, mais on sait qu'il y a des chatards. Hein, on en a vu sur Bomb Crypto qui se trimballent avec des super légendes dans le Discord. Donc gardez espoir, les gars, ça peut vous arriver. Dernier aspect du jeu, le ravitaillement. Comme dans CryptoCar, les joueurs auront besoin de refuel, c'est-à-dire faire le plein quotidiennement. C'est là où est la nouveauté nouvelle. Certains joueurs qui remplissent certaines conditions, je ne sais pas lesquelles car c'est pas marqué, pourront ouvrir une station de ravitaillement pour la somme de 10 000 ZPL. Alors on va aller voir le détail. On sait qu'il y aura différents niveaux sur les stations. Donc les stations iront d'un niveau de 1 à 10. Et la station, elle augmentera de niveau au fur et à mesure que le nombre de ravitaillements réussis augmentera. Plus la station sera élevée, plus les propriétaires et les investisseurs se feront de thunes. C'est logique. Alors, comment ça va se passer tout ça? Il y aura trois
trois phases, donc je vous cache pas que c'était un peu flou, donc à ce niveau-là, je trouve que ça manque un petit peu de détails. Mais en gros, il y aura trois phases. La phase 1, pour investir dans les stations, donc il y aura comme des appels d'offres des propriétaires et les investisseurs pourront venir investir tout simplement. La phase numéro 2, ce sera pour que les joueurs fassent le plein de leur avion. Et la phase 3, c'est les propriétaires et les investisseurs vont récupérer leur bénéfice, donc 5% pour les propriétaires et 95% pour les investisseurs. Donc ça, je sais pas trop si c'est une sorte de stacking, comment ça va se passer exactement. Je trouve que ça manque un petit peu d'informations à ce niveau-là, parce que là, ils nous disent pas plus en fait, ils nous disent comment faire les investissements, mais bon, je suis un peu flou, donc j'espère qu'on aura un peu plus d'informations à ce niveau-là. Ou si vous avez fait des recherches, n'hésitez pas à apporter des précisions dans les commentaires, ça pourrait toujours servir. Mais bon, si nous on a des infos entre-temps, bien évidemment, on reviendra dessus avec grand plaisir. Et comme j'essaye de faire à chaque fin de vidéo, on va finir par une bonne nouvelle. Il y a cette plane qui fait un airdrop. En ce moment, il reste 22 jours. C'est assez facile hein, de pouvoir répondre aux critères. Et on voit qu'on va pouvoir recevoir donc 10 000 Lucky Winners, recevoir 10 ZPL tokens. Et en référal, on peut recevoir 2 et max 300 référal par account. Donc bien évidemment, le lien que je vous mets en description, c'est mon lien référal, hein, parce que moi j'ai déjà fait toutes les missions. Et donc si vous pouvez passer par ce lien-là, ça me ferait plaisir. Ça vous montrerait votre soutien et votre amour pour mon être. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien-là. En attendant, j'espère que cette présentation, qui était succincte, mais en même temps, on n'a pas plus d'informations, vous a plu. Et j'espère qu'on pourra faire d'autres vidéos un peu plus détaillées une fois qu'on en saura plus sur le jeu. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous sur votre front. Salut.